Nous avons parlé d'effondrement, des fois, entre nous, nous en parlons et nous suggérons que cela pourrait exister en France. Eh bien là, en Nouvelle-Calédonie, on a expérimenté l'effondrement. Et ce qui est intéressant, c'est d'écouter les gens qui y vivent. J'ai moi-même des auditeurs qui vivent en Nouvelle-Calédonie, pardon, et qui sont également dans cette situation d'urgence où aujourd'hui on voit bien qu'il n'y a plus d'informations sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc le témoignage de Stéphane que vous allez écouter est très intéressant. Alors je l'ai trouvé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Bref, l'effondrement. Vous avez en description le lien de la vidéo que je vous recommande d'écouter dans son intégralité parce qu'elle est porteuse de... Elle est porteuse, si vous voulez, d'enseignement. Elle est très intéressante pour savoir comment se préparer et comment vivre un effondrement sur le plan matériel et psychologique. Vous allez voir, Stéphane nous relate cette situation avec des précisions qui valent de l'or au niveau de l'enseignement, de la leçon que nous devons tirer d'un tel phénomène qui se produit très très rapidement, hein. Ça va très très vite, hein, c'est ce qu'il dit. Ça a été sa surprise d'ailleurs de dire que waouh, ça s'effondre, mais en un rien de temps, quoi. Le système s'effondre très très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait lui-même imaginé. Donc je pense qu'on peut faire une projection à partir de là sur ce qui pourrait éventuellement se passer dans notre pays, à partir des banlieues, bien entendu. Et donc, je vous propose donc ces quelques extraits, et puis si ça vous intéresse, eh bien allez voir en description le lien de la vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Bref l'effondrement, et vous verrez, vous aurez le témoignage complet de Stéphane qui nous parle de la situation en Nouvelle-Calédonie. Pareil, si vous avez, s'il y a des gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie actuellement et qui veulent témoigner, bah, elles sont libres dans les commentaires d'enrichir justement ce témoignage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. C'est vraiment un nouveau monde, hein, qui s'est instauré rapidement. Donc, je m'appelle Stéphane, ça fait 30 ans que je vis en Nouvelle-Calédonie. J'ai une bonne cinquantaine d'années et j'habite dans le sud de Nouméa, c'est dans le Mont d'Or Sud précisément. Il y a une très grosse difficulté pour se fournir en aliments de première nécessité, hein, c'est-à-dire le pain, il n'y en a plus, la farine, il n'y en a plus, le riz, les pâtes, tout ça, les rayons ont été complètement vidés. Vu et entendu les attroupements de plusieurs personnes qui étaient dans une sorte de furie collective. Et après, 300 sociétés qui ont fini en cendres, carrément. Alors après, cette nuit, et puis les deux, trois premiers jours, il y a une sorte de moment de sidération. Tout le monde reste évidemment cloîtré chez soi et observe ce qui se passe autour. La politique de l'autruche, en cas d'effondrement, est la pire des choses. Il faut vraiment informer, il faut vraiment se tenir au courant et pas se voiler la face. Donc, voilà, j'ai voulu témoigner pour ça et puis pour que les gens se préparent. Donc, une fois que tu es informé, ben, tu te mets dans l'action. Je remercie mes années de préparation parce que ça aide énormément. Ça aide énormément au niveau du matériel, du physique, mais également aussi du mental, voire du spirituel. Il faut être bien blindé dans sa tête, savoir que ça existe, savoir que en quelques jours, vous ne pouvez plus traverser la rue quasiment parce que vous risquez de prendre des mauvais coups.